Bonjour à tous. Euh, je vais profiter de l'occasion. Euh, euh, il fait une super belle journée aujourd'hui. Je suis en train de déneiger euh, mon, euh, mon terrain et euh, vous avez vu déjà des, des, des petites scènes là, de quoi ça a l'air. La belle neige légère avec un beau soleil. Euh, même pas de tuc, pas besoin de tuc aujourd'hui. Euh, je suis en train là, de, de déneiger, puis je me suis pris dans ma côte, mais pas autant que la dernière fois, mais je suis arrêté, puis euh, je me suis dit euh, « euh, Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'étais vraiment pris euh, et Frédéric est venu m'aider à me déprendre, euh, il m'a montré un truc que c'est nono, j'ai pas pensé par moi-même, puis c'est vraiment l'expérience qui, euh, qui fait ça. Euh, » Si j'avais une rétro caveuse, c'est comme un bras, un baco, c'est un bras, je me serais poussé, tiré, levé avec ça, mais j'ai pas pensé que je pouvais faire la même chose avec euh, le bucket. Fait que je vais vous montrer un peu le truc que Frédéric m'a donné, le, fr... <laughs> le truc numéro un. Il m'en a montré bien d'autres et je suis sûr qu'il va m'en montrer encore bien d'autres dans le futur, mais euh, celui-là je le trouve bien intéressant, c'est juste d'apprendre à travailler avec euh, la machine. Donc euh, j'espère que vous trouvez ça intéressant aussi. Donc, comme vous pouvez voir, je suis vraiment pris. Les roues tournent dans le vide. Le truc est assez simple. Dans le fond, c'est juste une question de pointer le bucket vers le bas. Puis, en gardant une pression sur la pédale pour reculer, ben, on. On fait curly en bon français, le bucket. On tourne le bucket pour s'en servir, pour se pousser dans la direction qu'on veut aller. Fait que, on pourrait se tirer en avant ou se pousser vers l'arrière comme je suis en train de faire présentement. Puis ça, ça fait juste nous donner le petit, petit boost pour être capable de bouger. Je l'ai mieux eu là, la deuxième fois, comme vous pouvez voir. Pendant tout le temps que je faisais ça, j'avais le pied gauche sur le, le, la pédale du différentiel là, pour m'aider à reculer. Puis même avec ça, j'étais pris. Euh, donc le truc qui est vraiment aidant. Là, euh, ça, ça permet vraiment juste de, de sortir, là, de, de casser des fois la friction là, pour permettre d'avancer.